بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيانفوني سور ماشين أبخوندغ الفرونسي دائما نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير allez très bien، بيان vous فو bien، بيان كو فوتر مورال au beau فيكس الله يدخل عليكم الشهر بالخير واليوم والبركات نتمنى أنني كنفيدكم من خلال التقديم ولا لي شابيتر ديال هاد الروايات سواء بالنسبة للباك ريجيونال ولا الباك Libre, le bac le watanin donc libre. Euh, L'essentiel c'est de, 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 de comprendre alors euh, l'histoire de ces, de ces romans et et, et aussi, aussi acquérir euh, euh, le, 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 des connaissances concernant la langue la langue française. Alors sur la lecture, la première maison de béton apparue près du cimetière, au lendemain de l'indépendance. Alors, peut-être que ces manifestations sont la modernité d'Espagne, spécialement après l'extérieur du Maghreb, où l'unité de l'Espagne est la maison de l'Espagne. C'était une nouveauté et son propriétaire, un commerçant de Casablanca, invita tout le village à célébrer cet événement. Il fit venir de loin les talbats, qui récitèrent de l'oncle sera du Coran, afin que sa demeure soit bénie et préservée des genoux et des mauvais esprits qui pourraient remonter des entrailles de la, de la terre afin de frapper de mots insolites ses habitants. Voilà. Alors, chapitre 5, mel alors le village.

les donc une des entrailles de la terre afin de frapper de mots insolites insol, insol, ses habitants quand par hasard les premières automobiles faire aussi leur apparition voilà dehors les automobiles l'ancienne piste fut prolongée de quelques kilomètres pour permettre aux nouveaux riches de se rendre, chez, rendre jusque chez eux au volant de leur véhicule. Elles payèrent eux-mêmes des terrassiers, c'est-à-dire des ouvriers en mêle, qui travaillèrent sans relâche au déblaiement du terrain propre à ce tracé. Petit à petit, l'aspect des lieux changeait. Les anciennes maisons désertées et abandonnées commençaient à se ruiner. Une pierre tombait, une autre suivait, puis les murs cédaient sous le poids des poutres. Donc c'est une gradation. Une pierre tombait, une autre suivait, puis les murs cédaient sous le poids des poutres. Les maisons qui se trouvaient tout en haut du village furent les premières à subir les conséquences directes de cette modernité qui était entrée ici du jour au lendemain. Alors, je veux revenir sur cette partie, d'accord Alors, les, les anciennes maisons désertées commençaient à se ruiner. Une pierre tombait, une autre suivait. Puis, les murs cédaient sur le poids des poutres. Alors, c'est une gradation. Pourquoi Parce qu'on a une pierre tombée, une autre suivait puis les murs voilà, croulaient, tombaient sur le poids des poutres. Les maisons qui se trouvaient tout au long du village furent les premières à subir les conséquences directes de cette modernité qui était entrée ici du jour au lendemain. Pardon Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Sans crier, gare. Des pompes à eau, arrivèrent en même temps. Voilà, donc le boomback de l'élément, on entendait partout leur pétarade, ça veut dire leur... Donc le, le cri ou bien le son ou bien le bruit. Les femmes ne s'épuisaient plus à tirer l'eau du puits à la force du poignet pour irriguer le potager. Alors, dehors les femmes, ma proche ne s'épuisaient plus à... Ne se fatiguait plus à tirer l'eau du puits, à la force du poignet pour irriguer le potager. Les postes de radio inexistants jusque-là, cacophonaires, hein, la nuit couvrant de leur à la les bruits naturels des champs. Alors, dehors le médiaire, les postes de radio et les transistors, inexistants jusque-là, cacophonaires. Voilà, cacophonaires, c'est-à-dire faire du bruit, bruit seul. La nuit, couvrant de leur grisumon les bruits naturels des champs, les bruits naturels des champs, la déclaration de il y a des charrat qui sont dans l le vieux couple assista sans tristesse à ces événements insidieux qui allaient transformer de fond en comble voilà le paysage. Le vieux couple assista sans tristesse à ces événements insidieux. Voilà insidieux. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème avec ce qu'il se passe derrière. C'est-à-dire qu'il y a un Bouchaïb ne se plaignait pas même de l'intempestive intrusion des radios, car ceux qui ont procédé habitaient loin de chez lui. Son havre, c'est-à-dire sa maison était resté aussi calme qu'auparavant. Para, que en fait, rien ne le gênait de ce qui venait du nord, bien qu'il continuât à se rendre au souk à Dedan, alors que des bus faisaient la navette. Dehors, la modernité de Beno Kiran, Beno Kiran qui de le fehum nesl aswar had bus gible kam paf deglai hadi el tanqle aswar el souk dahr alors je suis le gardien de la tradition. disait il quand on abordait ce sujet en sa présence. Et il ajoutait aussitôt tout évolue sauf les mentalités. Alors, je ne gagne que les choses qui se déroulent et les pensées des gens qui se déroulent. L'ennui, qui c'est qu'ils ont plutôt tendance à empirer. Par contre, le mot de la parole est que les pensées des gens vont de se dérouler. Il n'était pas

Au lieu de la route qui empruntait le cours de la vallée. Deux fois plus long que ce parcours ancestral. Pardon. Alors, deux fois plus long que ce parcours ancestral. Voilà, ancestral, il y en avait même qui faisaient tout ce chemin à pied. Il fallait seulement se lever tôt. Et prendre la route pour arriver à destination avec l'embrasement du jour. À partir de 10 heures, en effet, c'était déjà la fournaise. Voilà, la fournaise Les roches étaient s'échauffées que tout ce lieu chaotique érate une énergie insupportable. Les bêtes sauvages, elles-mêmes, préféraient l'obscurité profonde. Des grottes et des enfractuosités à la lumière aveuglante. La lumière aveuglante. Donc, c'est une personnification à la lumière aveuglante et torride du jour. Chemin faisant, c'était une expédition. Les voyageurs échangeaient des informations utiles. Alors, l'audace, l'assoir, l'assoir,

alors, sans du sort de l'un et de l'autre. Voilà. Sans qui se du sort de l'un ou de l'autre. Bref, à aucun moment, on ne s'ennuyait. On plaisantait même. Eh Moussa, as-tu vu ton si joli turban tout neuf Qu'as-tu il dans mon turban Et laissez est qu'il plaît en mouche. Voilà, regardez, d'accord. Qu'est-ce que B's Ils font le voyage gratuit là-dessus. Bah, les mouches voyagent comme nous, et l'on rié. L'heure passée, au souk, on se séparait, mais à midi, on se retrouverait à la même gargote. La gargote, autour du même tajine de bouc. Une viande succulente, les dides, car ces bêtes ne consommaient pas de déchets, mais les herbes et les aromates de la montagne. Mais que les herbes et les aromates de la montagne. Le soir, avant la nuit, on rentrait au village, en groupe. Ce n'était pas fatigant. Ainsi, pour certains, prendre le quart pour gagner du temps ne valait pas le coup. Il y aura toujours des cheminons. Il y aura toujours... Des amoureux de la montagne, répétait le vieux à qui voulut l'entendre, mais la plupart des jeunes avaient maintenant des bicyclettes et même des vélos moteurs. Voilà, le madaher dit de la modernité. D'autres prenaient le cas, seuls les plus endurcis se retrouvaient entre eux une fois par semaine sur le même chemin de la montagne. Ils étaient heureux de leur sort et n'enviaient pas les autres.

Et n'enviez pas les autres. Que le monde évolue au crack, à la antithèse, ça ne nous dérange pas. Nous, nous sommes tout à fait libres de nos mouvements. Quant aux autres, si le car les laisse en plan, ils se voient contraints de passer la nuit au souk dans une gargote ou à la belle étoile. C'est ainsi que s'achève. Voilà donc cette vidéo. À la prochaine. ان شاء الله